Salut à tous les champions, les championnes. Ouais. C'est pas déchiffrer des lettres, non, c'est pas déchiffrer des lettres. Vous préférez dans quel sens? Comme ça. Michel, qu'est-ce que tu préfères? Dis-moi-le. Ouais, dis-moi-le. Les champions, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer le match entre le Real Madrid et Manchester City. J'avais raison. City, c'est. Ils les ont gagnés. C'est au top City. Vous êtes du top City. Du top. Et vous êtes des flops. Vous êtes des tops. Donc, d'entrée de jeu. J'ai très mal à la gorge. D'entrée de jeu, je vais vous boire un coup parce que j'ai très mal à la gorge. Je pense que ça le temps. D'entrée de jeu, De Bruyne qui va trouver les chemins défilés, voilà, De Bruyne qui va trouver les chemins défilés, oui, il va trouver les chemins défilés. Dès la deuxième minute, De Bruyne, cette tête de vache qui rit là, il va trouver le chemin défilé. Et après, de suite après, à la 11e minute, le gros Sané qui va retrouver le chemin défilé. Ça va être une nette domination des confitis, ouais, des confitis de City. Ouais, j'ai voulu essayer ça, déchiffrer. C'est pas déchiffrer des lettres, mais Michel, il m'a dit, mais ça et tout, ça serait bien. Ok, on aime ça. Et on va voir une réaction de Karim Benzema à la 33e minute, à la 33e minute. Karim Benzema qui va se réveiller, qui va marquer un but en seconde, qui va marquer un but. Ça va faire 2-1. À la mi-temps, il y a 2-1 pour City. J'étais très content. Le Real, c'est fini. Le Real, c'est des céréales. Ils vont finir comme la syllabe que je vous ai écrit là. Ils vont finir comme ça. Voilà. Ouais, ils vont finir comme ça. Ensuite, en seconde mi-temps, City qui va dominer. City qui va dominer, voilà. Qui va dominer les débats. Et notamment une occasion laissée en route par Mahrez. Il va faire un poteau, tout ça. Le score aurait pu être plus conséquent, mais ça a été pas le cas au vu de certaines occasions qui a été laissées en route. Je suis vraiment malade. Je crois que c'est pour les supporters du Real. Il faut qu'ils aillent prendre un Doliprane, je sais pas, qu'ils aillent faire quelque chose. Donc voilà, en tout cas, vous inquiétez pas. Je suis vraiment un peu malade, ne vous inquiétez pas. Donc, Mahrez, une occasion plus tard, il va trouver le chemin défilé. À deux reprises, ça va faire 4-1. Et à 4-2, on va voir une équipe du Real réagir.
une équipe du Real, réagir les gars, réagir. Dites-moi en commentaire ce que... Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, de quel sens vous voulez qu'on les mette, les syllabes là. Ces syllabes. Voilà. Ils vont réagir le Real par un penalty de Karim Benzema obtenu sur un coup franc par Toni Kroos par une main de Henrik Laporte. En tout cas, la porte, c'est le Real qui l'a mangé, la porte. C'est le Real qui l'a mangé. Alors, Henrik Laporte, il a fait prendre la porte au Real. Il a fait prendre la porte au Real. Il a fait prendre la porte au Real. Voilà. Alors oui, le Real, ils ont gagné. Ils ont gagné Chelsea, ils ont gagné Paris, ils ont fait la remontada. Ça y est, ils nous ont pris notre mot, la remontada. Eh non, la remontada. La remontada. Ils nous ont pris notre mot, la remontada et tout. Mais ça y est, là c'est fini le Real. Là c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est finito, pipo le Real. Donc à 4-2, ils vont réagir par un but de Karim Benzema. Et de quelle manière le but va être amené? C'est pas une Karim Benzema, c'est une Karim Panenka. Une Karim Panenka. Il va lui planter une Panenka. Mais quelle était belle cette Panenka. Elle était très très belle. Elle était très très belle cette Panenka. Il y a une supportrice du Real qui est passée. Oh, passe toi aussi. Le Real a perdu. Je te veux pas dans le studio. Je suis en train de tourner. Passe à qui?